Bonjour, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien le breton, toujours maître de midi. J'ai des trucs à dire sur lui, mais la prochaine fois, c'est pas méchant, mais c'est des trucs que j'ai remarqués, Sinon, au coup d'envoi, donc la première question, selon l'expression, qu'est-ce qui peut être sur lui, donc bien sûr, c'est un pile. Après, donc, eh bien, Lucia est arrivée, donc une personne qui va faire partie de la Dream Team pour le Prime de ce week-end. Donc, voilà, je pense que ça va être assez sympa. Donc, pas de Tata Véro, pas de Xavier, etc. Mais bon, les quatre, là, sont assez sympathiques. Après, donc, nous avions le Parisien génial qui s'appelait Julien. Vous aviez aussi Loris et vous aviez aussi Marine. Alors, pour Julien, à quel groupe doit-on le titre Last Christmas, moment-là, il y a les Kids United qui sont arrivés, donc voilà. Après, donc, par rapport à Loris, sa question, que fait un adepte du régime alimentaire appelé fasting? Eh bien, il ne mange pas pendant 8 heures, compte. Voilà. Ensuite, pour Marine, on a appris que son mari ne voulait pas se marier, il a bien raison. Quand le smartphone nous rend heureux, quelle est la principale source de bonheur liée à celui-ci? Donc on prend des photos parfaites. Comment appelle-t-on un scientifique qui étudie les singes? Donc c'est un primatologue. Après on a eu cette image qui était très jolie, on peut voir les maîtres de midi en face comme ça, donc c'était très sympathique. Dans The Voice Kid, pourquoi un candidat qui reprenait du Nekfeu a-t-il chanté les maîtres de musique, donc c'était assez sympathique. Au XIIIe siècle, l'amour courtois entre une dame et un chevalier était adultère. Donc voilà, donc sur cette question, il est passé en rouge, qui dit rouge, dit duel. Il a pris la seule fille du public candidat en duel, qui a eu cette question à la cour de Médicis à Florence, quel jeu est appelé dans les beaux jours au niveau des Grecs. Eh bien, c'était le jeu de roi, donc bye bye. Loris, Eric et Julien se sont retrouvés au parcours. D'abord, ça a été Loris qui est passé à l'orange. Après, ça a été Julien. Et puis...